Je m'appelle Emine Abouzgan-Dazrel, je suis la directrice générale du campus Tunis de l'Université Paris-Dauphine. Aujourd'hui, nous organisons une conférence à l'occasion du lancement du MBA Santé de l'Université Paris-Dauphine en collaboration avec l'IMS. L'IMS, c'est l'Institut des métiers de la santé, représenté par Razid Al-Routh. Alors, le secteur de la santé connaît plusieurs défis. Notamment un besoin de structuration ou plutôt de rationalisation des ressources dans les structures de la santé, un besoin de développer des compétences et des expertises managériales et organisationnelles dans les établissements de santé. Et puis, même pour le secteur pharmaceutique, il s'agit aussi de développer des compétences à évoluer dans un contexte où le cadre réglementaire est rigide. Voilà. Et c'est face à ce constat-là que nous avons développé ce master. Il s'agit donc d'un MBA santé, un diplôme français tenant compte la réalité tunisienne. Il existe déjà depuis un certain nombre d'années à Paris. Le fait de l'adapter aux besoins tunisiens fait que nous allons avoir des enseignants de l'Université Paris-Dauphine appuyés par leur homologue tunisien. L'enseignement sera mixte aussi, il y aura des professionnels et des académiques et ça sera essentiellement basé sur des études de cas. Voilà. Enfin, nous comptons la santé comme secteur la santé maintenant fait partie de l'offre de formation de Dauphine et cela a été grâce aux acteurs de ce secteur qui nous ont aidés, qui nous ont sollicités pour développer cette formation-là.